cœur. C'est parfait, c'est un point pointant, c'est un local qui s'impose à la maison. Les voici, on peut les inviter chaleureusement sur le podium avec les applaudissements. Public de Corsol, merci pour eux. La victoire d'un jeune sociétaire qui vous présente les nouvelles tuniques en 2018. Quelles sont belles ces tenues, avec Lilian Morin qui remporte pour un petit point cette cinquième manche du challenge de l'avenir. À ses côtés, Julien Hinault. Julien Hinault qui faisait sa première apparition sur le challenge dans les Côtes d'Armor cette année, qui a été excellent ce matin, il avait remporté l'épreuve chronométrée. Et puis à la troisième position, Maxime Poirier, qui va être également donc récompensé comme il se doit avec le trophée Maxime, qui représente le CC Moncontour. Voilà, avec le trophée remis par notre hôtesse, merci. Les 5 derniers kilomètres, il y a une centaine de mètres d'écart tout au plus. C'est parti maintenant, 5 hommes en tête. Dernier tour, ah, il va falloir tenir avec Rémi au niveau, mais derrière, ça réagit. Et ça réagit de très bonne facture avec les coureurs de Dino, notamment de 124, le team de Théo Méal, qui est en train de secouer le cocotier en tête de peloton. Peloton qui s'étire de manière irrémédiable. Et attention, dernier tour.